d'une agression, quelle que soit la nature de l'agression. Donc, ce sont des mécanismes nouveaux et généraux suite à une agression, quelle que soit sa nature. Et le but, c'est de maintenir le milieu spatique et l'intégrité de l'organisme. Donc, c'est l'ensemble de réactions locales et générales. Les causes de l'inflammation sont multiples. Donc, ces causes peuvent être infectieuses, donc des infections de toutes sortes, donc bactériennes, virales, parasitaires ou champignons. Il peut s'agir d'un agent physique, tel qu'un traumatisme, chaleur, froid ou radiation. Il peut s'agir d'un agent chimique, donc des pesticides, des toxines ou des venins. Un corps étranger, donc le corps étranger peut être soit endogène, soit exogène. Donc endogène tel que le cholestérol, le cristodurate, et exogène tel que le métal, le plomb, le silice. Et bien sûr, les phénomènes systémiques peuvent également induire une réaction inflammatoire. Donc tout ischémique, donc l'infarctus de myocarde par exemple, va engendrer une réaction inflammatoire. Et également, on a les agressions dysminiques. Donc, la réaction antigène-anticorps peut induire une réaction inflammatoire. Donc, infectieuse, physique, ou chimique, corps étranger, défaut de vascularisation ou agression dysminique. Donc, toutes ces causes peuvent engendrer une réaction inflammatoire. Donc, une réaction locale et générale de l'organisme afin de maintenir l'homéostase. Les symptômes de l'inflammation. Il faut savoir que l'inflammation se déroule dans le tissu conjonctif. Donc, s'il y a une réaction ou une agression qui n'est pas dans un tissu conjonctif, il n'y a pas de réaction inflammatoire. Par exemple, le cartilage. Il n'est pas vascularisé, il n'y a pas de réaction inflammatoire dans le cartilage. La cornée également, elle n'est pas vascularisée, donc il n'y a pas de réaction inflammatoire proprement dite dans la cornée. Donc, le tissu, la réaction inflammatoire se déroule tout d'abord dans le tissu conjonctif et elle met en évidence dans les cellules inflammatoires. La matrice extracellulaire et les médiateurs chimiques qui peuvent être soit pro-inflammatoires, c'est-à-dire qu'ils facilitent la réaction inflammatoire, soit anti-inflammatoires. Ne vous inquiétez pas, tout ça on va le voir en détail. Donc, les acteurs de l'inflammation sont des cellules, on va les voir, les vaisseaux, on va les voir, la matrice extracellulaire et les médiateurs chimiques. Donc, les cellules qui interviennent dans l'inflammation. Donc, les cellules dimensionnelles. D'ailleurs, entre les questions que nous avons maintenant, quelles sont les cellules qui interviennent dans la réaction inflammatoire? Donc, les cellules qui interviennent dans la réaction inflammatoire sont soit des cellules qui proviennent du sang, c'est-à-dire des cellules sanguines circulantes, soit des cellules qui existent dans le tissu conjonctif. Donc, les cellules sanguines circulantes sont les polynucléaires neutrophiles, les monocytes, les polynucléaires éosinophiles, les polynucléaires basophiles, les plaquettes, les lymphocytes et les plasmocytes. Les cellules qui existent dans le tissu et qui interviennent dans la réaction inflammatoire sont les histiocytes macrophages, les mastocytes, les cellules endothéliales et les fibroblastes. Donc, vous aurez des questions pour cocher quelles sont les cellules qui interviennent dans la réaction inflammatoire. Commençons par les polynucléaires neutrophiles. Donc, vous avez une question spécialement pour les polynucléaires neutrophiles. Donc, il n'y a pas de multiplication de polynucléaires neutrophiles sur place. Donc, les polynucléaires naissent et maturent dans la moelle osseuse à partir des myéloblastes. Puis, ils sont véhiculés dans le sang, dans le et arrivent au niveau des tissus où ils vont exercer leur fonction des cellules sur-spécialisées. Donc, à la question, est-ce qu'il y a une multiplication?
maturation des polynucléaires sur place. Est-ce qu'il y a une maturation des polynucléaires sur place? Non, ce sont des cellules qui naissent en nature dans le moine et juste ils vont agir au niveau des tissus. On distingue les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires éosinophiles et les polynucléaires basophiles. Les polynucléaires neutrophiles ont un rôle de phagocytose. Question de la phagocytose, que je peux parler de la chambre. Donc on va voir tout à l'heure. Les macrophages ont également un rôle de phagocytose. Donc c'est uniquement les polynucléaires neutrophiles et les macrophages qui ont un rôle de phagocytose. Donc les polynucléaires neutrophiles ont un rôle de phagocytose et la phagocytose pour les polynucléaires neutrophiles, elle intéresse les 10 particules telles que les bactéries. C'est pour ça qu'on les appelle les microphages. Donc les polynucléaires neutrophiles sont également appelés microphages. Les polynucléaires éosinophiles et les polynucléaires basophiles interviennent surtout dans les réactions anti-inflammatoires allergiques. Donc les polynucléaires ont une durée de vie brève de 3 à 5 jours. D'ailleurs, une autre question était en durée de vie polynucléaire. Donc elle est de 3 à 5 jours. Elles sont incapables de se diviser sur place. Et elles sont rapidement détruites dans le tissu inflammé. Donc, les polynucléaires altérés avec les débris de petite ou la fibrine forment ce qu'on appelle le bleu. Donc, le polynucléaire à neutrophile altéré, on l'appelle également hyocyte. Hyocyte, c'est un polynucléaire neutrophile altéré. Deuxième type, donc on a vu les polynucléaires, deuxième type de cellules qui interviennent, ce sont les cellules du système monocyte macrophage. Donc également, il n'y a pas de maturation sur place. Les monocytes macrophages, que ce soit circulants ou dans les tissus, sont tous d'origine médullaire. Il n'y a pas de formation de monocytes macrophages, ni dans le sang, ni dans les tissus. Donc, toutes ces cellules dérivent des monocytes d'origine médullaire. Leur durée de vie est courte, environ 24 ans. Donc, les monocytes circulants ont une durée de vie courte aux alentours de 24 heures. Par contre, les monocytes macrophages tissulaires ont une durée de vie plus longue aux alentours de 2 à 4 mois. D'ailleurs, vous comprenez que les monocytes macrophages du tissu sont responsables de l'inflammation granulomateuse, qui est une inflammation chronique. Donc, dans le tissu, 2 à 4 mois. Par contre, monocytes circulants, c'est aux alentours de 24 mois. Autre type de cellules qui interviennent dans la réaction inflammatoire, ce sont les cellules immunologiques compétentes, c'est-à-dire les lymphocytes B et les lymphocytes T. Également, il y a les mastocytes. Donc, les mastocytes, comme les polynucléaires éosinophiles et basophiles, ils interviennent dans les phénomènes allergiques. Autre type de cellules, ce sont les cellules endothéliales défensives, les plaquettes et les fibromes. Mais surtout, dans les questions, vous aurez toujours soit les cellules qui interviennent, soit le rôle du polynucléaire, soit le rôle du macrophage. Maintenant, les médiateurs chimiques de l'inflammation. Je les ai d'arbres de mes cours, je suis les mangeries partout, fait les bouquins, on a évoqué tous le schéma à venir. Donc, vous répondez à toutes les questions sans exception concernant les médiateurs chimiques. Donc, je travaille le moment à la vie. Donc, on a deux types de médiateurs chimiques. Il y a des médiateurs chimiques d'origine cellulaire et il y a des médiateurs chimiques d'origine plasmatique. Pour les médiateurs chimiques d'origine cellulaire, il y a des médiateurs qui sont formés préalablement et qui sont stockés dans des granulations. Et il y a des médiateurs chimiques cellulaires qui sont formés de nouveau à l'occasion de l'agression. Donc on a deux types, soit des médiateurs qui existent déjà dans les stocks, soit des médiateurs qui sont formés de nouveau à l'occasion de la réaction inflammatoire.
commençant par les médiateurs chimiques qui sont déjà préformés et stockés dans les granulations. On a l'histamine, la sérotonine et les enzymes lysosomiques. Donc l'histamine, quand la question se parle de bande partout, par quel type de cellules l'histamine est sécrétée? Donc l'histamine est sécrétée par les mastocytes, les basophiles, les plaquettes, mastocytes, basophiles et plaquettes. Ça rate, il y a l'histamine, est-ce qu'elle est sécrétée par les leucocytes? Et les leucocytes, bah, je crois que je peux éliminer les trois filles. Donc les basophiles sont des leucocytes. Par contre, vous ne connaissez pas les premiers éliminer les trois filles, donc l'histamine n'est pas sécrétée par les leucocytes. Hein? Donc, par les basophiles de l'histamine. D'accord? Donc, quelle est pas la question leucocytes, donc l'histamine, elle est sécrétée par les leucocytes, puisque vous êtes sécrétée par les leucocytes. Deuxième type de médiateur, ce sont les sérotonines. Donc la sérotonine, elle est sécrétée par les plaquettes. Et les situations de nouveau, il y a la prostaglandine, les leucotriènes et les autres qui sont dans le bas de la siégée, le normalisme, mais surtout prostaglandine et leucotriènes. Les prostaglandines sont sécrétées par tous les leucocytes, et par les plaquettes, et par les cellules rétinoïdes adrénergiques. Donc les leucotriènes sont sécrétées par tous les leucocytes. Maintenant, les médiateurs chimiques d'origine plasmatique. Donc les médiateurs d'origine plasmatique, il y a donc, l'activation du facteur 12, dans le facteur de coagulation. Et l'activation de ce facteur va stimuler le système inhibiteur, bradykinine, et la coagulation fibrinolyse. Donc, coagulation fibrinolyse, elle permet la transformation de fibrinogène en fibrine, et vous allez voir tout à l'heure le rôle de la fibrine dans l'annihilation de la réaction inflammatoire. Donc, la fibrine va jouer un rôle dans l'annihilation de l'inflammation. Deuxièmement, également, on a l'activation du complément et cette activation du complément, donc essentiellement la fraction 3 et la fraction 5 du complément, il va agir dans plusieurs étapes de processus inflammatoire que l'on voit tout à l'heure dans quelles étapes l'activation du complément intervient. Donc, de quel marque de son arbre schnumann-médiateur, quelles sont les cellules qui interviennent dans la sécrétion de ces médiateurs, quels sont les médiateurs qui sont préformés, formés de nouveau, cellulaires et plasmatiques. Ce schéma suffit pour les médiateurs chimiques de l'inflammation. Donc, quel que soit le siège et la nature de l'agent pathogène, donc la réaction inflammatoire, c'est le rôle de la même façon. C'est-à-dire qu'on a un processus inflammatoire qui se déroule en quatre étapes. Selon l'agent pathogène, on peut avoir une étape qui passe rapidement, mais généralement, on a les quatre étapes successives, quel que soit l'agent infectieux, traumatique, physique, chimique ou autre. Donc, quelle que soit la nature de l'agent pathogène, le déroulement de la réaction inflammatoire suit les mêmes étapes. L'intensité et la durée de la réaction est variable selon la nature de l'agent pathogène et selon l'âge. Donc la réaction inflammatoire est un processus dynamique qui se déroule en quatre étapes. Donc quel que soit l'agent pathogène, on va avoir une phase vasculo-oxydative, une phase cellulaire, une phase de réversion et une phase de réparation et cicatrisation. Commençons par la première phase. Donc la phase vasculo-oxydative. Donc la phase vasculo-oxydative, c'est la phase initiale de l'inflammation. Elle se traduit cliniquement par les quatre signes cardiaques de l'inflammation, c'est-à-dire rougeur, chaleur, tumefaction et douleur. Donc cette phase vasculo-oxydative comporte moins de modifications clinologiques.
Donc, on a trois modifications. Si les modifications se font en parallèle, les couleurs sont en haut, on voit qu'il y a un en état normal. Donc, on a ces trois modifications élémentaires se font en même temps. Donc, la phase, la congestion active, le même, et la diabétesse, le possible. Donc, la réaction vasculo-oxydative qui est la phase initiale comporte ces trois éléments. D'ailleurs, on a une question à la quels sont les éléments de la phase vasculo-oxydative? Congestion, œdème et diabétesse. Ça m'a donné une proposition. Commençons par la congestion active. Donc, la congestion active, c'est l'augmentation de la quantité du sang dans le tissu par afflux exagéré du sang artériel et ouverture du lit capillaire. Donc, on a la réaction inflammatoire, quel que soit l'agent, se déroule dans le tissu conjonctif. Donc, le tissu conjonctif, on a la microcirculation, c'est-à-dire on a l'artère, les artérioles. On a le lit capillaire, on a les veines. Donc, si on a une augmentation de quantité du sang donc artériel, une augmentation du sang artériel, ce qui fait qu'on a une ouverture du lit capillaire. Donc, on a une ouverture du lit capillaire. Donc, augmentation de la quantité du sang artériel par afflux exagéré du sang, ouverture du lit capillaire, ce phénomène de congestion active est sous l'effet de l'histamine, la prostaglandine, les facteurs de rendement et les kinés. Les éléments qui interviennent, donc les médiateurs chimiques qui interviennent dans l'inflammation. C'est les objectifs, nous sommes dans un peu plus près dans les objectifs. Donc, un peu que les médiateurs chimiques qui interviennent dans la phase vasculo-oxydative de l'inflammation, ils ont une plateforme collée par le champ de l'inflammation. D'accord ? Et la phase vasculo-oxydative, la phase cellulaire, l'éducation et cicatrisation, ne sont pas des objectifs. Par globalement, quels sont les médiateurs qui interviennent ? Les mouches et la voix. Par contre, la phase vasculo-oxydative, les autres, quels sont les médiateurs qui interviennent ? D'accord ? Donc, uniquement la congestion active se produit par une rougeur et une chaleur. Et morphologiquement, on va avoir le revêtement du tibial qui devient tout puissant et les capillaires qui sont gorgés de sang. Donc, question liée à un qui est déjà objectif, décrire une modification histologique du lit vasculaire en cas de congestion active. D'ailleurs, notre question, je suis appelée le lit vasculaire, donc on a une brève vasoconstruction des artérioles, puis on a une congestion active qui va se traduire par une dilatation active des vaisseaux. Un ralentissement du courant sanguin, donc une stase veineuse relative et une augmentation de la viscosité. Et dans le courant, on a une augmentation de la viscosité. Quand elle change de l'étape libale, donc si le ralentissement du courant sanguin, on va avoir le lème qui va passer du milieu intravasculaire vers le milieu extravasculaire. Donc, si vous entendez une viscosité sanguine, je sais que le trapèche, le plasma, je sens que je suis conjonctif. Donc, on va avoir une augmentation de la viscosité, par conséquent, un ralentissement du courant et une stase veineuse. Et tout ça va favoriser que la stagnation du sang au niveau du tissu conjonctif. Comme ça, on a l'occasion que les cellules inflammatoires, les polynucléaires, les monocytes vont passer du milieu intracellulaire vers le milieu intravasculaire, vers le milieu extravasculaire. On va voir tout à l'heure ces différents mécanismes. Dans certains questions de l'examen, justement, quel est le premier médiateur mis en jeu de la fonction de l'histamine ou de la
حسبلك حتى الليستامين كان ديجا فوق ميه اي ستوكي حاضر باختونت البروستاغلاندين دو نوفو كيعطيتي لكم البروستاغلاندين سانتيتيزي دو نوفو دونك اي سانتيتيزي او كور دو لا رياكسيون انفلاماتوار الوغ كي الليستامين ديجا موجوده اي ستوكي بريفورمي ستوكي دونك الليستامين اي بريفورمي ستوكي باختونت لا بروستاغلاندين c'est une synthèse de nouveau. Donc logiquement, ce qui est déjà existant va agir avant. Donc l'histamine avant la prostaglandine. L'histamine avant la prostaglandine. Puisque la prostaglandine est synthétisée de nouveau. Alors que l'histamine, c'est un médiateur préformé. Il est déjà là, même avant la réaction. D'accord. Donc, la congestion active. Deuxième élément, l'œdème inflammatoire. On a la phase vasculaire aussi, la différence. Congestion, œdème et diabétes lymphocytaire. Un truc objectif pour définir l'œdème inflammatoire. Donc, l'œdème inflammatoire résulte du passage dans le tissu conjonctif interstitiel ou des cavités séreuses. D'un liquide appelé exsudat, constitué d'eau et de protéines plasmatiques. Entre les questions, je crois que le DEL est très inflammatoire. Non, le DEL, c'est de l'eau et des protéines. Point. Donc, la définition de le DEL, il n'y a pas de cette inflammation. On a l'inflammation avec le DEL. Mais le DEL, la définition de le DEL, c'est un exsudat constitué d'eau et de protéines. D'accord. D'ailleurs, même la question que vous avez, l'œdème inflammatoire. Donc, l'œdème, c'est de l'eau plus protéine. C'est un exsudat. D'accord. Donc, sa traduction clinique est un gonflement du tissu, y compris les terminaisons nerveuses. Donc, il peut être responsable de la douleur. Sur le plan microscopique, on a un aspect pâle pour coloré du tissu conjonctif. Donc, l'œdème résulte d'une augmentation de la pression hydrostatique due à la vasodilatation. Donc, on a la vasodilatation du capillaire qui va engendrer une augmentation de la pression hydrostatique, une diminution de la pression osmotique puisqu'on a fuite de l'eau et des protéines dans le milieu interstitiel et une augmentation de la perméabilité. D'accord ? Le D associé à la réaction. Donc, il résulte d'une augmentation de la pression hydrostatique, diminution de la pression osmotique et augmentation de la perméabilité vasculaire. Donc, les médiateurs qui interviennent dans l'œdème sont l'histamine, la sérotonine, la bradykinine et le facteur du cambium. Rôle de l'œdème. Donc, normalement, l'œdème a un rôle bénéfique. Mais parfois, on va voir, il peut être néfaste. Donc, rôle bénéfique à l'âge. Rôle bénéfique puisque l'œdème, donc le passage du plasma, va apporter avec lui les moyens de défense. C'est-à-dire les enzymes de bilirubine, les facteurs de coagulation et les facteurs du complément. C'est-à-dire le mouvement du plasma. Donc, l'œdème a un rôle bénéfique puisque il entraîne une dilution des toxines. Il devient une vénin. La chambre aussi, donc le gène va diluer les toxines. Et la dilution des toxines va empêcher la nécrose tissulaire. Regardez, donc le délabrement de tissulaire. Deuxièmement, comment la fibrine. Donc parmi les médiateurs chimiques, le fibrinogène se transforme en fibrine et la fibrine va constituer une barrière pour localiser le foyer inflammatoire et limiter la diffusion de l'agent toxique. Et autre effet bénéfique, c'est le ralentissement du chromosome. Donc, puisqu'on va avoir du liquide dans le milieu extravasculaire, donc on va avoir un ralentissement du chromosome, ce qui
favorise la diabétèse de l'ocytaire, c'est-à-dire le passage des leucocytes des vaisseaux vers le tissu conjonctif. Donc, apport des médiateurs chimiques et des moyens de défense, dilution des toxines, limitation du foyer par la barrière de la barrière et ralentissement du courant sanguin pour favoriser la diabétèse de l'ocytaire. Mais par contre, il peut être néfaste lorsque, a-t-il un exemple d'un néfaste, l'œdème cérébral, on a l'OAP, on a le début de la main. Donc, lorsqu'il siège dans une cavité inextensible, ou lorsqu'il y a l'installation brutale, il y a l'abandon de l'installation brutale, donc on peut avoir un effet néfaste. D'accord ? Troisième élément de la phase vasculo-oxydative, c'est la diabétèse leucocytaire. Donc la diabétèse leucocytaire, ou le diabétèse leucocytaire, ce sont les polymères qui arrivent en premier dans le foyer inflammatoire, mais après les leucocytes, la diabétèse va intéresser également les lymphocytes et les monocytes. D'accord ? Une diabétèse leucocytaire, mais la diabétèse. Elle commence par les polymères, mais aussi par la reste des lymphocytes et des monocytes. Donc la diabétèse, c'est la traversée active des parois vasculaires par les leucocytes et leur accumulation dans le foyer inflammatoire. Donc cette diabétèse est surtout étudiée par les cours des polymères, mais elle intéresse également les lymphocytes et les monocytes. Elle est favorisée par un chimiotactisme suite à un gradient de concentration qui est sous l'action des facteurs 3 et 5 du campus. Donc la diabétèse leucocytaire est favorisée par l'effet des agents chimiotactiques C3 et C5. Donc sur le plan anatomopathologique, on va trouver un manchon de polymères neutrophiles extracellulaires autour des vaisseaux, non pas à l'intérieur des vaisseaux. Donc les polymères vont traverser la membrane et on va avoir un manchon de polymères neutrophiles autour des vaisseaux. Donc la diabétèse leucocytaire, c'est drôle et se déroule comme suit. Tout d'abord, on a le ralentissement du courant sanguin suite à la fuite du liquide. Donc suite à l'œdème, suite à l'hémoconcentration, on va avoir un ralentissement du courant sanguin. Puis on va avoir un roulement des polymères. Donc ces polymères vont s'enrouler en contact des cellules endothéliales. Puis on va avoir une marginalisation et puis une traversée cartique. Donc roulement, marginalisation et après traversée cartique. Donc l'objectif inter est bon. La diabétèse leucocytaire correspond à la migration des leucocytes en dehors de la microcirculation et leur accumulation dans le foyer lésionnel. Elle intéresse d'abord les polynucléaires neutrophiles pendant 6 à 24 premières heures, puis plus tard, 24-48 heures, les monocytes et lymphocytes. Il s'agit de la traversée active de la paroi vasculaire qui comprend plusieurs étapes. Ralentissement du courant, margination des leucocytes, roulement des leucocytes du long de l'endothélium, adhérence et passage transendothélial. Deuxièmement, comme chose à la phase vasculo-oxydative, deuxième phase, c'est la phase cellulaire. Donc la phase cellulaire, elle succède à la phase vasculo-oxydative, quel que soit l'agent pathogène. Très rapidement, le foyer inflammatoire va s'enrichir en cellules. On a donné les polymères, on va dire que les lymphocytes basent les monocytes. Donc, très rapidement, le foyer inflammatoire va s'enrichir en cellules. Les premières sont les polymères neutrophiles qui sont les stigmates d'une inflammation aiguë, suivies rapidement d'autres cellules. Les monocytes qui se transforment en histiocytes dans le tissu conjonctif. Donc, une fois les monocytes circulants, le tissu conjonctif choisit également les histiocytes. Lorsque l'inflammation se chronicise, l'infiltrat inflammatoire est fait surtout de polynucléaires des mononucléaires. Quand on a des polynucléaires, on a
ils sont rapidement détruits. Ils ont un rôle de phagocyteurs. Ils vont détruire l'agent pathogène, ils vont se transformer en pyrocytes. Donc très rapidement, les polymérières vont devenir altérés. Par conséquent, lorsqu'on a passage à la chronicité, l'infiltrat est formé et il faut être des cellules mononucléées et non pas polynucléées. D'accord ? L'ensemble des cellules de la phase cellulaire constitue le granulome inflammatoire. Donc, le granulome inflammatoire, Nechmetskao, donc, le granulome inflammatoire mange le tissu conjonctif et l'agression. Metskao, les cellules qui proviennent du sang, elles vont là. À Oulhaja, les volets nucléaires, qui vont être rapidement détruits. Tenir Haja, les lymphocytes. En fait, Haja, les monocytes. Les monocytes, dans le tissu conjonctif, se transforment en histiocytes et peuvent même se transformer en cellules épithéloïdes et cellules rejetées. Bien sûr, on a des histiocytes, le tissu conjonctif, les mastocytes et les fibroblastes. Et donc, on a des cellules qui existent normalement dans le tissu conjonctif, et donc, on a des cellules qui proviennent de la circulation sanguine, donc ensemble, histiocytes, cellules épithéloïdes, cellules géantes, macrophages, polynucléaires, lymphocytes et différenciation, donc vont former ce qu'on appelle le granulome inflammatoire ou les cellules de la phase cellulaire. Voilà. Donc, je tourne à une question. Les histiocytes, les cellules géantes, les cellules épithéloïdes, le problème provient de la métamorphose qui s'est mise dans ces cellules. Donc, histiocytes, cellules épithéloïdes, les cellules géantes proviennent de la métamorphose des monocytes. D'accord ? Donc, le granulome inflammatoire, on est dans la phase cellulaire. Donc, vous voyez que le tissu conjonctif devient riche en cellules inflammatoires. Il y a beaucoup de cellules inflammatoires. Et plus on passe vers la chronicité, plus les cellules mononucléées deviennent plus importantes que les cellules polynucléées. Donc, le rôle de granulome inflammatoire, donc le rôle de cette phase cellulaire, c'est d'assurer la détection par les macrophages, donc assurer la détection sur la détection mammaire, l'élimination de l'agent pathogène, de développer une réaction immunitaire B, E, F, E, T, et troisièmement, sécrétion de multiples médiateurs chimiques qui vont agir dans le phénomène inflammatoire.